Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Smite en Conquest League. On va jouer Poseidon en mid lane. Dans notre équipe, on va avoir une duo lane Medusa Guan Yu. C'est sympa, c'est sympa. En jungle, on va avoir Thor. Et puis sur la solo, Bellon. En face de nous en mid lane, on aura sans doute Sol en face. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi il dit Dat Sol? On a vu dans le chat, je sais pas ce qu'il veut. On va la jouer. Ah, c'est son nom, la Sol. I am born. Ah non, to kill. Elle est pour tuer. Alors on va voir. Je vais jouer en fait Poseidon. Moi, ça m'amuse de le jouer ces derniers temps de façon particulière. Bah, vous allez voir. On va le jouer avec. Hop, on va le jouer vitesse d'attaque. Ça peut être sympathique normalement. Est-ce qu'on a besoin attendez, faut que je regarde le passif. Health and mana. Bon, on prend une potion de vie, une potion de mana. On va prendre une purive parce que on peut prendre une autre potion. Oh, on va prendre une potion de vie, allez. Oui, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ou je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, on prend la purif pour contrer. Pour contrer Mercure hein, qui va nous faire des ganks qui vont piquer. Mais bon, on va essayer de gérer tout ça. Poseidon, c'est ça du push en early game, mais Sol aussi. Hein. Sol en a beaucoup aussi, donc je gagne pas forcément le push, on va voir. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Méduse n'a pas l'air de vouloir faire. Non, elle a pas l'air de vouloir faire les backs. Alors. C'est dommage. On va aller. Voilà. C'est. Bah, c'est à dire qu'on va perdre en fait. Il va passer sans doute. Sol va passer. Le level avant nous. Vous voyez, nous on arrive vraiment trop tôt. Et. Ah, on est face à. D'accord. On n'est pas face à Sol. Alors. Bah là, ça surprend. Mais ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver. Voilà, elle est passée level 2. Vous voyez. Vous voyez le truc. Et ça, c'est parce que. Mais non, mais je peux pas. Je ne peux pas. J'étais que level 1, donc forcément. Attends, on en a eu au moins un. Je sais pas si on en a eu deux. Il faut qu'il parte. On en a eu un. Je suis pas sûr qu'on en a eu deux. Hop, on essaie d'esquiver ça. Voilà. Attention, hein, tu tankes beaucoup trop les sbires à tort. Bah, il est mort. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tankait les sbires pendant des plombes. Aïe, 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 aïe. Et ça commence, dirons-nous, particulièrement pas top la game. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, hop, on a le 2. On va aller faire les backs. On vient. Est-ce qu'il les aura finis avant qu'on arrive? Je pense pas. Donc on va pouvoir prendre un peu d'XP. C'est Bellon qui a pris le kill, je crois. Ouais. Elle est contente. Elle crie. Loulouloulou. On prévient que ça manque au mid. Non, ça va. Allez, allez. Faut farmer. Thor, tu es mort en early. Prendre de l'XP. On a donné un kill à la Jingwei, donc c'est pas tip top. Allez, vite. On a l'ulti. En prévient que ça manque, ils vont peut-être gank je sais pas où. Mais eux aussi sont passés 5, donc faut se méfier. Moi je tente très bien gank, alors ils sont là, ils sont là. Non, je sais pas en fait. On va prendre au moins le. Ça. Non, ils ont back en fait, tout simplement. On va attendre. Il nous faut 1600 pour les bots, c'est ça, 1600. C'est pas trouvé le jungle. Le Mercure. Hop. On va up le 3 quand même, mais après on va up le 2 et pas le. C'est trop tard. Je suis un peu
suis un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Ouais, mon buff. Oh là là là. Viens, viens, viens. Non, ça va. Hop, on essaie d'aider le Thor. Bon, la duolane qui, alors que c'est la Jingwei qui a ganké. Bon, ben là, ils ont fait le taf. Nous, ben notre pauvre petit Kraken ne sert pas à grand chose pour l'instant. La Jingwei est revenue. Allez, hop. Il veut gank. Mais elle a sanctuaire notre Kraken. Dommage. Dommage, dommage. Hop, on l'aide comme ça. J'essaie d'aller un peu partout. Vite. Là, on a besoin de back, nous, c'est le problème. On a plus de mana. Et le Thor qui s'est fait tuer, qu'est-ce qu'il a regardez-le, il m'insulte. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas venir. J'étais pas là, qu'est-ce que tu veux que je dise. Ah là là, il y en a, ils sont marrants. Le Thor qui n'arrête pas de mourir. Mais c'est de la faute des autres, évidemment. N'oubliez pas que c'est toujours de la faute des autres hein, quand vous mourrez. C'est évident. Allez, vite. Hop. On n'a pas attendu que tout notre mana revienne, mais bon, tant pis, tant pis. La Jingwei, ça va, elle est level 7, on est level 7, donc on n'est pas en retard par rapport à elle. Ça y est, elle est passée level 8, mais nous, on va passer level 8, hein, la prochaine lane. Donc, pas de problème. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut pas tenter de faire un gank sur... Bon. On va prendre un peu la tour. Attention, il y a le Mercury qui a l'air énervé. Hop, on la laisse pas trop y aller si elle veut y aller. Non, tu n'y vas pas. Parce qu'on voit que le Mercury voulait... Vous voyez, il est sur la duo, il voulait aller attaquer. On fait ça. Ok, bon, nous on a l'ulti hein, pour un. Mais bon, on sait pas trop quoi faire. On la pousse un peu là. Attention, le Mercury, ça va, qui rate son sort sur nous. Aïe, arrête hein. Nous on farm tranquillement. Peut-être qu'on va partir gemme d'isolation en... Oh! Boum! Et voilà. Bon, bah là, les pauvres, ils ont pris très cher, malheureusement. Sur la duolane, il y a la... Elle s'est fait tuer. Bon, c'est pas grave. La game se passe bien. Essayer de faire ça et puis de back. Voilà. On retourne à la base. Sur quoi on part? Est-ce qu'on part fataliste? Non, on va partir gemme d'isolation dans un premier temps et après on pourra partir là-dessus. Allez, on attend. Allez, c'est reparti. Bon, bah nous on est à 1-0-1. Ouais, pour l'instant. Ouais. Rien d'incroyable, rien de terrible, mais on a pris un petit level d'avance sur la Jingwei, donc c'est cool. Non, je pensais qu'elle manquait, mais non, elle ne manque pas, elle est là, la petite Jing. On sait pas trop. Non, ils sont là. Ne pas se faire tuer pour des mid-harpy. Hein. On a vu, il y avait le Mercure et le Jingwei. Hop, on utilise la Purifla, on prend pas de risque. On a l'ulti qui revient, qui est revenu, voilà. Ah,
ça par contre, je m'y attendais pas. On utilise une autre potion de vie. Voilà. La game est plutôt serrée, hein. Elle est pas détendue. Moi j'attends l'occasion de pouvoir poser notre petit kraken, hein, qui peut faire mal. Hop. On prend le buff, le raid, et on retourne vite là. Allô, allô. Il n'y a personne là. Ah. Elle est là. On essaie de lui. De la poke un peu, mais après elle doit avoir du vol de vie déjà. Non, elle a pas encore de vol de vie. Elle part sur une itemisation originale. On va essayer d'aider, on va essayer d'aider. Elle est en intouchable, donc là il faut attendre. Attention. Bref, ça sert à rien de. Non. C'est Ratesh. Ah, notre piscine est complètement ratée. C'est très beau. Il reste beaucoup trop là-bas. Et avec une Jingwei, ça peut revenir très très vite, on le sait. Non. Hop, voilà. On avait notre petit Kraken qui fait plaisir. Allez. Oh là là, elle survit. Non, je sais pas comment je l'ai tué. Avec l'auto-attaque ouais, on peut faire la Gold Fury. On va essayer d'accepter de prendre un peu l'aggro, pas trop longtemps non plus. Après, on n'a pas le Kraken. Pour là, allez, allez, attention. On l'a eu, mais on a eu chaud. Hein. Allez, allez, faut le body block. Voilà. On a eu de la chance, on aurait très bien pu perdre la Gold Fury là, c'est un coup de chance, vraiment, faut être réaliste. Enfin, il aurait fallu normalement arrêter hein, de faire ça. Allez, hop, voilà, et on va back. On a notre deuxième actif qui est prêt, qui va être un sanctuaire. On finit la gemme d'Iso. Allez, on part fataliste parce qu'on est... On est foufou. Non, c'est vrai que j'aime bien au final le fatalisme. On va acheter une ward. Et on peut back. On va chercher à défendre évidemment le mid. Hein. Ne vous inquiétez pas. On ne fait pas de stack avec ce build. Après, ce build, je l'ai fait qu'en arène, hein, faut savoir. Donc. Je ne suis pas encore un expert du build Fatalis sur Poséidon, mais j'ai vu qu'en arène, bah, ça marchait pas si mal. Voilà. On va poser la ward là, comme ça au moins on sait quand il y a quelqu'un là. On essaie de poser quelques dégâts. Tranquillement, on a piscine, kraken, ça peut faire très très mal, hein, mais faut pouvoir le... Ah, dommage, la Bellone qui s'est faite tuer, elle va perdre sa tour. Hein. Elle va perdre sa tour. Ah là là, il avait. Et là, là, ça va mal finir pour le Thor. Attention, on utilise le sanctuaire. Le temps de temporiser, de pas prendre des dégâts, mais attention. Ça fait mal quand même. Non, j'ai utilisé ma pioche, mais ça servait à rien. Il y a le Shaq qui a très très bien décalé, qui a bien joué le coup. Et là, ils reviennent bien à la partie. Alors, on voit qu'on a encore plus de gold, honnêtement, grâce à la Gold Fury faite. Attention, va pas falloir trop leur en donner. La Bellone qui est arrivée. Qui bataille. Aïe 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 aïe. Ça picote, hein. Ça picote. Et il meurt. Il meurt logiquement. Il y a le Thor qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il rate. Il rate souvent. Oh là là, il a tout raté. Il a tout raté, mais bon, ça va. Ça va passer quand même. Et il a raté
tout là, sauf le basson 3, hein, qui est pas vraiment ratable normalement. Donc ça c'est passé. On s'est fait voler le raid. Ah ça c'est... Oh. Bonjour. Alors je récupère l'ulti dans 2 secondes. Ah donc. On n'a pas besoin de l'ulti, voilà. On a laissé juste la piscine, on prend un kill de nous. On est à 82 nous, on est pas mal, hein. On est pas mal pour l'instant. Piscine Kraken, mais je vais pas la tuer en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On a essayé, histoire de rigoler. Hein. Amusons-nous. Attention, on n'a pas d'actif nous par contre, on n'a plus le Kraken. Je vais l'utiliser pour rigoler. Est-ce qu'elle a du vol de vie? Non. Mais après, elle peut back et revenir tellement vite que c'est pas très grave, mais on va essayer. On va essayer plutôt. Ah, non, c'est difficile. Elle a quand même du dépush. Elle veut l'attaque. Il veut attaquer. C'est pas grave, ça nous permet de prendre ça. Peut-être. Allez. Voilà. Oh là 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 là, mais va-t'en toi! Allez, allez. Ça va, on va passer. On met ça, la gemme d'Iso hein, qui ralentit les ennemis. Voilà. Attention. Ça va passer. Il va survivre le Guan Yu. C'est bien. La méduse qui vient. Rien qu'on n'a pas l'ulti, nous encore. Hein. Oh, ils ont plus beaucoup de vie, hein, tous. Bon, on peut pas y aller là. On a le fatalis, donc on va back. Ah, non, on va pas back, on va pas back. On peut pas back là maintenant. Ok, ok. Moi j'aimerais bien pouvoir back là. Hein. J'aimerais bien back. Non, allez, tirer. Non, on allait dire ennemi missing middle. Il y en a quand même 2 en fait. Hop. Est-ce qu'elle va nous laisser back? C'est bon, on back. Allez. Un sanctuaire et un. Non, pas une sentry et une ward. La méduse qui prend le buff de dégâts, vas-y, vas-y, c'est pas grave. Tu peux, y a pas de souci. Ouais. Va falloir mettre des wards hein, aussi. Ouais. On va poser des wards peut-être. Ah, on en a posé 2, chacun. Alors, il y a Thor qui part en ulti, mais sur qui? Attention! Là, on est à 1 de moins! Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a Bello. Mais faut partir! Ils comprennent pas que s'il y a Shaq qui est là et Bellon qui est à droite, mais évidemment qu'il ne faut pas fight. C'est de l'infériorité numérique, un peu de logique. Bon, je sais pas si notre Kraken il était très utile. Là on peut tenter. Allez, on tente de faire ça. Attention, on est en train de la ramener vers eux, c'est pas très malin. Ça va où il y a le. On est plusieurs fois on a failli se la faire voler quand même. Attention, hop. On va essayer de reculer nous. Peut-être de régène quelques PV avec nous. Notre vol de vie, mais on n'a pas beaucoup de vol de vie là hein, pour l'instant. Ah, faut que je fasse gaffe. On retourne à la base, nous, hein. On est obligé là. Danger. On va partir. Voilà, ça, il parle trop quand même. J'espère que c'est pas trop fatigant pour vous. Allez. Et on retourne. Voir ce qu'il y a. Mais
ils sont un peu fatigants. Ils sont même très fatigants. Hein, irons-nous. Hop. On va faire les petits trucs. Donc voilà, on va le jouer vitesse d'attaque, hein, le petit Poséidon, c'est plutôt marrant. Elle a envie de... Oh là là, et le Geb qui est arrivé au moment parfait. Hein. C'est vraiment, il est arrivé... Il a mis son bouclier, bien joué. Bien joué. Allez, s'il arrive à là. Ouais. Oh là 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 là. On survit. On survit. On a survécu. Là, attention quand même. Nous, on va se chercher le buff de dégâts. On a quand même reçu pas mal de dégâts, donc voilà. On est quand même plutôt bien. Ouais, on va back. Même si on peut rien acheter, on préfère raback. La game se passe bien. Hein. Faut qu'ils arrêtent de gueuler. On est à 7k gold d'avance. Bon, je les mute. Elle, lui, lui, comme ça, ça va être calme, les gars. On va plus les entendre gueuler parce que. Oh, ils me mettent la tête en. Hein? Ils font mal au crâne, hein? Mais vraiment. Hein? Allez. Allez, on met des petits lags qui vont pas nous arranger. On va reback. Allez. On a nos. voilà, voir là. Voilà. Ce qui nous permet en fait. Alors, c'est une péné très basique en fait. C'est une petite péné, mais ça peut faire le taf. Hein. Et qu'on deal à chaque auto-attaque 35 de damage supplémentaire. Sur toutes les cibles. Donc, ben, ça fait le taf. Hein. C'est, en late game, c'est moins fort cet objet que l'autre. Mais en early game, c'est vraiment fort. Hein. On a l'ulti qui est prêt. Oh là là, et son bouclier infernal, allez, faut taper. Aïe. Allez, allez, bien joué. On l'a eu. On a eu un kill, je sais pas par qui. Si, on a eu le shack. On prend la tour, on prend la tour. On est un Poséidon speed push. Hein, voilà. Allez. On va peut-être gagner, vous voyez, avec ce Poséidon fort original. Alors, pas que grâce à nous, hein, mais on fait quand même une game tout à fait correcte. Oh, là, il est foutu. Est-ce qu'on peut les... Non, c'est compliqué. Hop. On essaie de les ralentir. Nous, on peut peut-être un peu tenir. Hein. On peut un peu tenir. Si j'aimerais bien back, parce que je vais faire du 1v3 là. Ils ont l'air énervés. J'ai pas le Kraken. Oh là là. On a des dégâts. On a des dégâts, vous voyez. Sur nos auto-attaques. Ça surprend les auto-attaques aussi puissantes de est-ce qu'on partirait d'abord sur ça? Allez, on va partir sur ça avant d'augmenter encore notre vitesse d'attaque. On va partir sur le Polynomicon qui nous permettra après chaque sort déjà d'avoir plus de vol de vie, et après chaque sort utilisé notre auto-attaque fasse plus de dégâts. Quand vous jouez un Poséidon auto-attaque, ben ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. On est à 6-1-6, la Médusa à 3-1-10. Sur les deux, ça peut le faire, hein, le buff de dégâts. Elle aurait voulu le prendre, je l'en aurais pas tenu rigueur. Elle nous le laisse, on le prend. Elle a besoin d'aide par contre.
On voit bien qu'on a l'ulti de près. Boum. J'ai purif un peu tard. Ouais, allez, allez. Aïe aïe aïe. Là par contre, on s'en va, hein, on s'en va. On a pris des kills encore, hein. Regardez, on est à 8-1-7. Le petit Poséidon, comme ça, c'est sympathique. Et on va vendre ça, hop, et on va prendre... Enfin, on l'a pas encore, mais ça va venir. Alors, est-ce qu'ils sont aussi chiants si on les dé... Ah mais, ah, il est parti AFK le game, j'avais pas vu. Voyons voir s'il faut que... Oh là là, ça part là-dessus. Bon. Bon après il a joué toute la game hein, le Geb, d'ailleurs il nous a embêté, il a pas mal fait certains shields hein. On a vu qu'ils ont été vraiment salvateurs pour son équipe. Mais bon, est-ce que c'était perdu pour eux? Ouais je pense que c'est perdu la game. On va récupérer ça. Ils ont pris le deuxième. Ouais ouais. On vient aider. On vient aider à droite la Bellone. Allez, allez. Oh. Ouais, ouais, ouais. On pourrait faire le Fire Giant, hein, sinon. Le choix se porte soit sur le Fire, soit, soit sur tenter de prendre ce troisième Phoenix. Ils ont l'air d'humeur à prendre le troisième Phoenix. Mince. Le phoenix, voilà, on peut mettre des kills hein, nous aussi, on est pas mal dans notre game. Est-ce qu'on peut finir? Ouais, bon, ils ont renoncé, et ben voilà, on va gagner avec Poséidon, vitesse d'attaque, c'est très sympa à jouer, moi je m'y amuse plus, voilà avec le reste des trucs. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé. Puis nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et youpi, on a gagné pour une fois. À très bientôt. Ciao ciao.